sont prêtes à reconnaître une première intervention du deuxième groupe de l'opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, tout d'abord, j'aimerais saluer les personnes présentes, vous en partant, mes collègues, les députés, autant du gouvernement que de l'opposition, Monsieur le ministre, tout particulièrement, ainsi que les fonctionnaires qui nous accompagnent ce matin. Écoutez, j'aimerais continuer sur la voie ouverte par les députés de Chauveau concernant les rencontres avec ses homologues fédéraux du ministre. Donc, on sait qu'au moins, on sait qu'il y a eu des rencontres, il y a eu lieu le 6 novembre, le 15 novembre, le 22 janvier 2019. Mais le ministre a abordé quelques éléments, mais je me laisse qu'il nous brosse un tableau de l'ensemble des sujets qui ont été abordés avec ses homologues fédéraux et les objectifs qu'il poursuit dans chaque domaine. Merci, M. le député de Laurier-Dorion. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai rencontré à quelques occasions mes homologues fédéraux. J'ai rencontré M. Hussein en compagnie de M. Leblanc, effectivement, cet automne à Ottawa, pour présenter notamment, pour échanger, puis pour présenter également les demandes du Québec en matière d'immigration. J'ai rencontré aussi à nouveau M. Leblanc ici, qui est le ministre des Relations intergouvernementales canadiennes. On a eu également une rencontre productive avec la Commission des partenaires du marché du travail. Là, je ne me souviens plus de la date, là, je vais vous donner la date, en compagnie de ma collègue ministre des Relations canadiennes et de mon collègue du Travail, notamment sur le fait qu'on souhaite un assouplissement, et la Commission des partenaires du marché du travail souhaite un assouplissement au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, notamment sur trois points. Le premier étant le plafond de 10 % des employés à l'intérieur de chacune des entreprises, au niveau aussi de la durée du permis de travail du PTET, puis aussi sur l'étude d'impact sur le marché du travail. On souhaite que ce soit uniquement le Québec qui ait la juridiction là-dessus, parce qu'on a déjà cette compétence-là par le biais du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour éviter les dédoublements. Parce qu'actuellement, oui, pour les entreprises, c'est 8 mois d'attente au niveau du fédéral pour avoir un permis de travail temporaire. C'est beaucoup trop long quand on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Excellent. Merci, M. le ministre. M. le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Continuer sur le même sujet, je serais intéressé à savoir est-ce que le ministre a des objectifs en termes de par rapport, parce que je vois que vous voulez faire augmenter les plafonds de 10 % donc beaucoup plus de travailleurs étrangers temporaires. Est-ce qu'il y a des objectifs d'admission des travailleurs temporaires étrangers? M. le ministre. Actuellement, là, M. le président, là, je pense que je pourrais avoir le chiffre au niveau des travailleurs temporaires sur le territoire québécois. Là. Actuellement, sur le territoire québécois, on a 53 125 travailleurs temporaires. Au niveau des étudiants étrangers, on est autour de 70 060. Fait que c'est des gens qui sont en statut temporaire sur le territoire québécois. Ça nous donne 123 185 personnes qui ont un statut temporaire. Nous, on est dans la logique là, de répondre aux besoins du marché du travail le plus rapidement possible. Et éventuellement, que les travailleurs temporaires puissent être permanentisés, puis puissent obtenir leur résidence permanente. Donc, ce qu'on dit, c'est que oui, on souhaite un assouplissement au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires de façon à répondre rapidement aux besoins des entreprises et que les travailleurs temporaires puissent s'intégrer dans leur communauté puis éventuellement devenir résidents permanents. Donc, on n'a pas de cible précise relativement aux travailleurs temporaires, mais ce que les employeurs nous disent, ce que les différentes régions, ce que les MRC, ce que les municipalités nous disent, c'est qu'on a besoin de souplesse, on a besoin de flexibilité, puis actuellement, ça ne marche pas ce programme-là parce que les délais de l'étude d'impact sur le marché du travail, c'est à peu près 8 mois. Mais prenez une entreprise là, qui a des besoins là, maintenant, là, est capable d'attendre 1 mois ou 2 peut-être sur sa production. Mais si ça prend 8 mois avant d'avoir le OK, bien, on se retrouve avec des entreprises en région qui risquent de fermer, de délocaliser parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, les travailleurs temporaires peuvent être une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Puis on travaille activement avec le gouvernement fédéral pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là. La rencontre que j'ai eue avec M. Leblanc et Mme Adjou, la ministre de l'Emploi, bien, le titre, je ne connais pas exactement, là, mais c'est la ministre de l'Emploi fédéral, le 18 mars. Merci. À Montréal. Merci beaucoup, M. le ministre. M. le député de Laurier-Dorion. Tu as abordé la question des frais engendrés en termes de santé pour les demandeurs du statut de réfugié, la question des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'il a abordés avec le gouvernement fédéral?
Monsieur le ministre. Dans le cadre des discussions avec le gouvernement fédéral, mais vous savez, on discute toujours, supposons, au niveau des travailleurs étrangers, là, vous avez le PMI aussi, qui constitue des travailleurs temporaires aussi, qui pourraient être une avenue aussi. On a discuté de ça. On discute aussi du regroupement familial, parce que je ne vous cacherai pas que le gouvernement du Québec souhaite rapatrier cette compétence-là au niveau du gouvernement du Québec, parce que ça serait logique que le Québec soit maître d'œuvre sur la quasi-totalité de son immigration. Actuellement, on sélectionne l'immigration économique. On devrait sélectionner également le regroupement familial, parce que c'est nous qui offrons les services d'intégration de francisation. Donc, au niveau de la prévisibilité, ça serait normal que le gouvernement du Québec souligne cet élément-là. Monsieur le Président, la question des conditions à la résidence permanente avec ses homologues fédéraux. Monsieur le Président, ça fait partie des discussions effectivement que nous avons et nous souhaitons, une fois que le projet de loi 9 soit adopté, que le gouvernement fédéral, lui aussi, modifie sa réglementation, comme c'était le cas avant 2015, je crois. 2016, avant 2016, que le gouvernement fédéral revienne à son ancienne disposition et qui permette au Québec d'avoir des conditions grévant la résidence permanente. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Est-ce qu'on peut conclure que si jamais le gouvernement fédéral ne modifie pas sa réglementation, comme vous le dites, il y a plusieurs pans de son projet de loi 9 qui ne seront pas applicables? Monsieur le ministre. La réponse à cette question-là, c'est non. La très grande majorité du projet de loi 9, en fait, la quasi-totalité du projet de loi 9 est applicable. Bien entendu, vous faites référence à l'article du projet de loi qui réinstaure un pouvoir que le Québec avait à l'intérieur de l'ancienne loi sur l'immigration qui a été supprimée par le gouvernement libéral lors de la refonte de la loi sur l'immigration avec le projet de loi 77, chose que je ne m'explique pas encore parce que quand on est à la tête d'un gouvernement, à la tête de l'État, on doit s'assurer de toujours avoir le maximum de pouvoir pour un gouvernement national. Et le Parti libéral a failli à cette tâche-là en abandonnant un pouvoir qui avait été chèrement acquis, un pouvoir qui faisait en sorte que le gouvernement du Québec avait davantage de juridiction en matière d'immigration. Et du côté du Parti libéral, on a renoncé à un pouvoir. Je n'ai jamais vu ça, Madame la Présidente. Monsieur le député de Laurier-Dorion aussi, vous devez en être conscient que jamais ça se fait généralement au Québec. Puis on peut être en désaccord avec le pouvoir ou non, mais de là à l'abdiquer puis à dire au gouvernement fédéral, vous aussi, vous pouvez le supprimer au détriment des intérêts supérieurs de la nation québécoise. Honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire cet aveu d'abandon. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Laurier-Dorion, allez-y. Si on s'entend, Madame la Présidente, qu'il y a certains articles qui dépendent du bon vouloir du gouvernement fédéral pour être applicables. En fait, l'article auquel vous faites référence, notamment sur le fait de pouvoir imposer des conditions grévant la résidence permanente, effectivement, il s'agit d'une disposition, dans un premier temps, qui doit être réintégrée dans la loi sur l'immigration, ce que nous faisons. L'Assemblée nationale a le pouvoir de le faire. D'ailleurs, c'était présent dans la loi antérieure. Première étape. Deuxième étape, si on veut imposer des conditions grévant la résidence permanente, actuellement, la législation fédérale permet aux provinces d'adopter ce genre de disposition-là. Donc, le pouvoir habilitant dans la loi fédérale, il est présent. Parce que l'immigration, je vous le rappelle, c'est une compétence qui est partagée en vertu de 93 de la loi constitutionnelle, je pense. Donc, c'est une compétence partagée entre les deux ordres de gouvernement. À partir de ce moment-là, le gouvernement fédéral habilite dans sa loi sur l'immigration de dire « les provinces peuvent imposer des conditions aggravant la résidence permanente ». Ce qui manque, dans un premier temps, c'est nous de réinsérer cette disposition-là dans la loi parce que le Parti libéral a abdiqué ce pouvoir-là. À partir du moment où l'Assemblée votera le projet de loi 9 avec cette disposition-là, je le souhaite, je compte sur votre collaboration notamment pour le faire, bien, nous, on va entamer des démarches, mais on va poursuivre les démarches avec le gouvernement fédéral pour qu'eux adoptent un règlement qui découle de leur loi, qui nous habilite déjà à faire la disposition, donc un règlement qui va être un règlement miroir avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte qu'on va pouvoir imposer des conditions grévant la résidence permanente qui pourrait s'appliquer sur une foule d'enjeux. Donc, ça, c'est la démarche juridique, si je peux vous dire. Donc, pour imposer des conditions, on doit avoir le concours du gouvernement fédéral et on travaille dans ce sens-là. Mais la première étape pour nous ici, c'est de le faire à l'Assemblée nationale.
Merci, M. le ministre. M. le député de Laurier-Dorion. J'entends, Madame la Présidente, que ce raisonnement-là est en quelque sorte un peu complexe, pour ne pas dire alambiqué. Et ce que je peux comprendre, c'est qu'on attend toujours, un assentiment du gouvernement fédéral. On n'a pas les pouvoirs. Mais j'aimerais passer à un autre sujet, parce que le temps file. Si vous permettez, vous pourrez répondre dans votre temps de parole, M. le ministre. Mais je voudrais revenir encore une fois sur la question des 18 000 de dossiers. Donc, vous avez subi une première rebuffade de la part des tribunaux qui vous ont ordonné de ne pas appliquer l'annulation des 18 000 dossiers jusqu'à ce que vous ayez adopté votre loi, ce qui me semble logique. Et il y a plusieurs juristes ont émis la possibilité qu'il y ait d'autres procédures judiciaires qui peuvent être entamées contre les gouvernements par les personnes, par les 50 000 personnes affectées par l'annulation des 18 000 dossiers. Ce que vous avez fait, vous avez des avis juridiques là, qui vous disent ça pourrait nous coûter combien là, si on annule ces 18 000 dossiers. Là. Merci, M. le député. M. le ministre? Oui, deux choses, Mme la Présidente. Sur la question précédente, le député de Laurier-Dorion dit c'est une explication alambiquée. C'est comme ça que les lois fonctionnent. L'Assemblée ou la Chambre des communes adopte une loi. Ensuite, des lois découlent les règlements. Là, c'est très clair. On a le pouvoir constitutionnel de le faire. C'est une compétence partagée, hein, immigration fédérale, provinciale. Là, le gouvernement fédéral, dans sa loi, donne le pouvoir aux provinces aussi de faire des conditions arrivant à la résidence permanente. Le gouvernement libéral, en 2016, a enlevé ce pouvoir-là. Fait que là, il faut réhabiliter le gouvernement du Québec à le faire. Ensuite, on va pouvoir adopter un règlement. Pour que notre règlement entre en vigueur, il faut que le fédéral adopte un règlement miroir de l'autre côté. Je sais pas si c'est alambiqué, mais pour moi, c'est clair. Ça match, là. Ça fonctionne juridiquement. Ça dépend juste de l'Assemblée si on va de l'avant avec les dispositions du projet de loi 9. Bon. Pour ce qui est des 18 000 dossiers, il est vrai qu'il y a eu une injonction interlocutoire provisoire qui a été accordée par la Cour supérieure. Relativement à la suite du dossier judiciaire, on a décidé, le gouvernement du Québec, de respecter la décision des tribunaux et de collaborer. Donc, on n'a pas porté... On a prolongé l'injonction interlocutoire provisoire en injonction interlocutoire, en ordonnance de sauvegarde, durant le temps où le projet de loi 9 était à l'étude, donc jusqu'à l'adoption. En terminant. Voulez-vous que je continue ou... Okay. Vous désirez, parfait. Dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi ou de contestation judiciaire, effectivement, nous avons des avis juridiques. Oui. Excellent. Merci, M. le ministre. M. le député de Laurier-Dorion. On pourrait avoir accès à ces avis juridiques-là. Et de toute évidence, ils se sont trompés parce que vous avez essuyé un revers sérieux là, à la Cour supérieure. Mais j'aimerais qu'il nous explique, M. le ministre, d'où vient sa décision là, d'annuler les 18 000 dossiers. Là. Pourquoi ne pas avoir continué à avoir mis à sur pied Arima tout en continuant de... on n'a jamais réussi à comprendre pourquoi qu'ils ne pouvaient pas faire les deux choses en même temps. Oui, merci, M. le député, M. le ministre. Oui, eh bien, Mme la Présidente, présentement, nous traitons les dossiers durant l'étude du projet de loi 9. Le choix, notamment, de rembourser les dossiers, les 18 000 dossiers, vise à faire en sorte de passer vers le système d'immigration basé sur la déclaration d'intérêt plutôt que le premier arrivé, premier servi, parce que l'ensemble des acteurs au Québec réclament le fait que les gens qu'on accueille au Québec puissent s'intégrer dans un emploi à la hauteur de leurs compétences. Donc, c'est le choix du gouvernement du Québec de faire en sorte de s'assurer que les gens qu'on va sélectionner répondent aux besoins du marché du travail. Donc, d'où la raison pourquoi nous décidons de rembourser les 18 000 dossiers. Je vous rappellerai que ce n'est pas nouveau. Le Canada, en 2012, a fait exactement la même chose que nous relativement au remboursement de l'inventaire des dossiers. Et j'ai entendu maintes fois le Parti libéral vanter le modèle canadien relativement à la rapidité, relativement au délai. Mais écoutez, le gouvernement fédéral a remboursé les dossiers et ça fait en sorte qu'ils peuvent être plus rapides au niveau de l'accompagnement des personnes migrantes. Merci, M. le ministre. M. le député?
On sait que le gouvernement, oui, monsieur le ministre, entend rembourser les frais des permis, des examens, etc., mais une demande d'immigration comporte beaucoup d'autres frais qui ont été entrepris par les demandeurs, les gens qui ont déposé ces dossiers-là. Et ça ouvre la porte à des contestations juridiques, à des demandes de dédommagement. Est-ce que vous avez prévu une provision budgétaire là, pour des éventuelles poursuites juridiques? Merci, M. le député. Monsieur le ministre? Oui, merci, Mme la Présidente. Écoutez, comme je vous le disais, le gouvernement fédéral a pris la même décision que le gouvernement du Québec en 2012. Il y a eu des contestations judiciaires et le gouvernement fédéral a remporté les contestations judiciaires. Excellent. Merci, M. le ministre. Oui, M. le député, allez-y. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais que, parce qu'il n'a pas eu le temps de répondre, de toute évidence, on comprend que son système Arima est en train d'être implanté. En même temps, il est en train d'étudier les 18 000 dossiers, très lentement, ce qu'on comprend, là, sans empressement, alors qu'il y a des milliers de familles qui attendent une décision. Et c'est la preuve qu'on peut faire les deux processus en même temps. Pourquoi avoir pris une décision politique de pénaliser près de 50 000 personnes alors que vous saviez pertinemment que vous pouviez faire les deux choses en même temps, là? Merci, M. le député. M. le ministre? Bon, le premier élément, c'est que lorsqu'on a réactivé l'étude des dossiers, c'est qu'on traite les dossiers à la même vitesse que c'était préalablement au dépôt du projet de loi 9. Alors, lorsque le député de Laurier-Dorion qualifie de très lentement, non, c'est le rythme régulier, et on respecte la décision de la Cour, et d'ailleurs, volontairement, on s'est soumis à cette décision-là de traiter le nombre de dossiers. Juste pour vous rappeler, le gouvernement du Canada a remboursé 360 000 dossiers en 2012. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse 18 000 dossiers pour s'assurer de moderniser le système d'immigration. Le système Arima, Madame la Présidente, si le Parti libéral et Québec solidaire participaient de façon ordonnée aux travaux de la commission parlementaire, qu'on adoptait rapidement le projet de loi, mais ça nous permettrait d'aller rapidement de l'avant avec le système Arima. Merci, M. le ministre. M. le député. Comme dispose, fourni par les ministères, nous disent qu'en 2008-2009, il y avait 212 fonctionnaires affectés à l'étude des dossiers, et en 2018-2019, il y avait seulement 2006, même une diminution, là, et 206, pardon. Là. Alors qu'il y a déjà eu des pics, par exemple, en 2013, 2014, 2015, des 314 fonctionnaires affectés à l'étude des dossiers. Il y a une décision politique là, qui se fait là. Vous n'êtes pas obligé, de suivre le même rythme qu'avant, vous avez le pouvoir de dire c'est important d'étudier ces dossiers-là. On va mettre davantage de fonctionnaires pour l'étude. Pourquoi l'avez-vous pas fait? Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Simplement, vous indiquez qu'il reste 1 minute 30 au bloc. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Madame la Présidente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affecté le même nombre de ressources qu'il y avait auparavant que le dépôt du projet de loi 9. Donc, on poursuit le traitement régulier du nombre de dossiers. Alors, moi, je continue ce qui avait été fait avant le dépôt du projet de loi 9. Merci, M. le ministre. M. le député de Laurier-Dorion, pour une minute. Pour une minute. Qui reste au bloc. Oui, j'aimerais savoir si les nouveaux investissements au ministère de l'Immigration substantiels, il va y avoir les critères d'admission au cours des francisations vont être élargis ou flexibilisés, si vous voulez. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre? Madame la Présidente, on a déjà échangé là-dessus en commission parlementaire. Moi, j'envisage, avec l'argent qui est investi, d'élargir les cours de francisation parce que, vous savez, parfois, on se retrouve dans des situations où on n'a pas nécessairement le temps à notre arrivée d'aller dans les cours de francisation. Donc, c'est quelque chose que j'étudie et que j'envisage et qui m'apparaîtrait une bonne chose pour la société québécoise en termes de francisation. Parce que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il y a plusieurs choses à penser, mais un des facteurs les plus importants d'intégration, c'est la langue. Le travail, oui, mais la langue aussi, puis le fait de travailler, supposons, en français. Donc, le gouvernement du Québec est vraiment dans une logique de donner davantage de services aux personnes migrantes. Merci, monsieur.